Comment je vais entrer? Je me demande si... Tu es là! Montre-toi! L'hésitation conduit toujours à... La tombe! Je sais, mère! Ta forme s'améliore et tu es résolue, mais tu ne passes pas à l'action. J'allais le faire! Je sais, mais certains instants sont plus importants que d'autres. À toi. La lance de Léonidas! Tu es assez grand. La lance de mon père représente un certain fardeau, mais tu es prêt. Je l'ai senti. Ah ? Cette lance, elle est magique. Elle possède un pouvoir ancien, issu d'une lignée d'incroyables héros, dont le sang coule dans les veines de notre famille. En nous tous ? Pense à Léonidas. Il a été très courageux et a accepté un grand sacrifice. Tu partages son sang et la force qu'il possédait. Nous sommes capables de ressentir certaines choses autour de nous. C'est le don de notre famille. Mais tout le monde ne le comprend pas. Certains sont conscients de notre pouvoir et veulent s'en emparer. Ils essaieront de nous le prendre. Je les empêcherai. Je le sais. Tu es un guerrier. Si nous continuons à aller de l'avant, toujours plus loin, nous serons intouchables. Un orage approche. Alors, mère, nous devons aller de l'avant. Mère, je ne t'ai pas oublié. Dieu, qui a bâti tout ça? Comment un endroit pareil peut-il exister? Comment pourrais-je décrire ça à quelqu'un comme Marcos? Quelque chose brille là-bas. Forge activée. Synchronisation de la chronicité de retransmission. Contact en place. Deimos. La forge. Je savais que je t'avais laissé trop longtemps dans l'animus. Tes signes vitaux ont une sale tête. Tu ne comprends pas.
Ça confirme qu'au-delà de détenir une technologie Issou, Alexios avait les moyens de l'améliorer. Imagine la puissance que pourrait avoir ce bâton. Je reconnais que c'est peut-être une découverte majeure. Mais pour l'instant, en tant que médecin, je dois m'occuper de toi. Repose-toi un peu, avant de retourner voir Alexios. Bon, d'accord. Mais seulement parce que j'ai des choses à faire à l'extérieur. Vide-toi la tête. Je ne veux pas d'un chef de cellule atteint d'un effet de transfert. Sinon, tu vas nous planter avec une lance en pensant qu'on est des Hittites ou des Thraces. D'accord, d'accord. Mais les Thraces, c'est la classe. N'oublie pas qu'on est une équipe. On te soutiendra jusqu'à la fin de ton enquête. Je sais. Kiyoshi a sécurisé le loft hier et il garde un œil à l'extérieur. Alana fait des recherches historiques. Et moi, je suis là si tu veux parler ou si tu as le mal de l'animus. Thérapeute avant tout. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon nouvel animus ? Tu veux dire notre nouvel animus ? C'est du matériel d'Abstergo. Que j'ai modifié jusqu'à ses racines binaires. C'est un prototype de console d'animus, variante Brahman, avec des capacités d'entrée-sortie poussées au max. Ultra portable et avec la puissance de calcul combinée de la NASA et du CERN. Alors docteur, qu'est-ce que tu ressens maintenant qu'on est plus près que jamais de ce bâton ? Le bâton est important. Mais les assassins et les templiers ont déjà trouvé des bâtons d'Éden. Nikola Tesla en a détruit un en Russie, si je me souviens bien. Oui, mais là c'est différent. Si ce que j'ai vu en Égypte est vrai, celui-là ne contrôle pas l'esprit, mais la matière. Et le temps. Imagine qu'on puisse réécrire les lois de l'univers. La lance que tu as trouvée est là. Et elle ne fait rien du tout. Elle est rattachée à une lignée. Léonidas, Alexios et Deimos. Je veux dire, Cassandra. Ils sont intimement liés à elle. Tu es sûr de pouvoir utiliser le bâton d'Hermès ? Non, mais si les Templiers le trouvent, ils chercheront partout quelqu'un qui puisse s'en servir. Je vais aller me dégourdir les jambes. Dommage qu'on ait plus accès à la salle de gym d'Abstergo. L'abonnement coûte trop cher. C'est fascinant. Leila, quand je pense qu'on a fait la connaissance du grand Hérodote. Je sais. Il a la langue bien pendue. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Ce que je vois par les yeux d'Alexios, est-ce que ça correspond à tes recherches ? J'ai dû modifier l'animus pour utiliser ce qu'on peut tirer du bouquin. Ce bouquin, comme tu dis, est une œuvre perdue d'Hérodote. C'est lui qui a inventé le concept de chronique historique. Et d'autres personnages correspondent aussi. Cléon, Périclès, Léonidas. C'est pour avoir l'occasion de voir le passé en direct que j'ai rejoint les assassins. La plupart des gens parlent de justice ou de courir sur les toits. Mais l'histoire, c'est cool aussi. J'adore l'histoire depuis toujours. Mon grand-père me racontait la vie de son grand-père en Irlande. Il était marin et aventurier. Alors, je perpétue la tradition familiale. J'ai de la chance, quoi. On se crée sa propre chance, non ? Pourquoi tout le monde me répète ça tout le temps ? Bon, j'ai rencontré Hérodote, mais je ne sais pas grand-chose sur lui. Il est trop fort ! Ces histoires sont considérées comme le plus grand texte de la Grèce classique. Des gens ont bâti toute leur carrière sur l'analyse contradictoire de son œuvre. Mais le voir dans son univers, se promener dans la cité... Désolée, mais c'est un peu aéro pour moi. T'as le droit d'être une fan. Ouais ! Je te laisse à ton travail. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Comment ça se passe, là-bas ? Bien. Aucune menace visible. Contente qu'on travaille de nouveau ensemble. Je crois que nos méthodes de travail sont compatibles. T'es toujours en colère à cause de la dernière fois avec Abstergo ? Désolée, je savais pas que les hauteurs de Québec étaient aussi pentues. Mais hé, tes réflexes de Yakuza nous ont sauvés. Pardon, ex-Yakuza. Nous sommes en vie et nos blessures ont guéri. C'est tout ce qui compte. Bon. Je vais retourner dans l'animus et suivre la piste que nous a laissée Hérodote pour retrouver le bâton. Mais il y a tellement d'éventualités, et donc de choix. Impossible de savoir quels seront les bons. Toi qui as dirigé la branche japonaise de la confrérie, tu ferais quoi ? Évaluer une chose à la fois, observer avant d'agir, ou tuer tout le monde et voir ce qu'ils ont dans les poches. À toi de voir. Merci de surveiller nos arrières, Kiyoshi. Je te laisse à ton travail.
Si Abstergo se montre, je le signalerai. Tu es sûr de vouloir retourner tout de suite dans l'Animus ? J'ai l'impression que tu vas y rester un bon moment. Oui, je suis prête à retrouver Alexios. Très bien. Je surveille tes arrières. Ma lance a gagné en puissance. Le culte n'a aucune chance. Eh bien, ça va plaire à Hérodote. Quelqu'un a clairement séjourné ici, bien avant nous. Je me demande si Léonidas connaissait cet endroit. Il faut qu'on parle! Tu es facile à trouver. Tu es venu seul? Tout va bien? Cassandra, tu es vivante. Ne me touche pas. Allons, petite sœur. Tu vas devoir tout me raconter. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je n'ai absolument rien à te dire. Je ne te connais pas. Mais moi, je te connais. Peu importe, après tout. On doit discuter de choses plus importantes. Oui, bien sûr. Comme ce que tu as fait avec l'artefact. Ça a attiré mon attention, si c'est ce que tu voulais. Quoi ? L'artefact a montré la vérité. On est frères et sœurs. Et on a quitté Sparte en vie. Il a montré la vérité. Oui. Il a confirmé ce que j'ai toujours su. Jeté dans cette montagne ! Si c'est ce que tu crois, Cassandra, c'est que tu t'es cogné la tête pendant ta chute. Je tiens ce récit de quelqu'un qui n'est pas un menteur comme toi. Et ne m'appelle pas Cassandra. D'accord, Deimos. Mais elle, je ne la connais pas. C'est une demi-déesse, vénérée et crainte par le culte et par toute la Grèce. Dans ce cas, pourquoi obéis-tu au culte ? Au cas où tu n'aurais pas remarqué, c'est moi qui le dirige. Alors prends une décision par toi-même. Aide-moi à retrouver notre mère. Ah, je ne veux pas de retrouvailles. Je veux seulement savoir ce que tu cherches à faire. La même chose que ton culte. Je cherche notre mère. Il n'a pas besoin d'elle. Ce n'est pas la vie de tes amis. Myrine est leur prochaine cible. S'il la cherche vraiment, c'est pour la tuer. Mais si tu ignores où elle est, ça veut dire qu'elle t'a abandonné, toi aussi. Quelle tristesse. Malgré cet abandon, on a survécu. Nous pouvons rétablir les liens d'autrefois. Il suffit de la retrouver. Le culte se moque des sensibleries et de la famille. Seul le contrôle l'intéresse. Si le culte nous cherche tous, une de ses cibles a disparu. J'ai tué Nikolaos. Alors oublie tes airs de justicier. En réalité, tu es comme moi. Je me moque de ce que tu penses. Et je trouverai Myrine. Fais le bon choix. Viens avec moi. Quoi ? Nous pourrions la trouver ensemble. Tu pourrais m'aider. Oh ! Tu penses que l'amitié résout tout ? Qu'on devrait chercher notre mère comme des enfants perdus ?
Tu es trop faible. Ce n'est pas de la faiblesse, mais le sens des responsabilités. Je n'abandonnerai pas notre famille par dépit. Responsabilité ? Oublie tes illusions. Le culte a un projet, et il ne laissera pas des gens comme toi lui barrer la route. Enlever ta propre mère ne te suffit pas ? Ce n'est pas un enlèvement, c'est de la politique. Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous, et ils paient pour cette erreur. Comme moi ? Comme toi. J'ai appris que tu comptais te rendre à Athènes. Annonce à Périclès et aux siens que leur fin approche. Le culte a épargné Myrine. Et même Nikolaos. Pourquoi les tuer maintenant ? Parce que tu es en vie. Tout ça est ta faute. Le culte est puissant, mais ses membres sont mortels. Je détiens le sang des dieux, alors ils pensent que toi aussi. Mais il va comprendre qu'il a tort. Tu sais que je vais m'attaquer au culte. Tu sais, toi, combien nous sommes puissants, ce que je peux faire. Crois-tu vraiment avoir la moindre chance ? D'après toi. Le courage est un trait de famille, pas vrai ? Tu prétends que nous sommes du même sang. Voyons ce que tu sais faire. Nous nous sommes quand même retrouvés, ma sœur. Je t'ai dit de ne pas me toucher. Deimos ! Oh, Malaka, Hérodote. Il faut que je lui dise ce qu'il s'est passé. Alors, la légende était vraie ? Était-ce magnifique ? Que t'est-il arrivé ? Et ta lance ? Tout doux, Hérodote. Ma lance est plus forte. Je peux le sentir. Tu avais raison. Il y avait un artefact, là-bas. Il m'a présenté une vision. De moi et de ma mère. Alors, cette civilisation a existé. Alexios, tu n'as aucune idée du pouvoir que tu détiens, enfoui dans la lance de Léonidas. Mais ce n'est pas tout. Deimos m'a suivi là-bas. Le culte est en action. Elle me l'a dit. Elle va s'en prendre à nous, à ma famille, à Périclès. Pourquoi te l'annoncer ? C'est sûrement un piège. Aucune importance. Nous devons aller à Athènes et avertir Périclès. Et nous devons retrouver ma mère avant le culte. Alors, allons à la Pnyx. Nous serons certains d'y trouver Périclès. Quand tu seras prêt, retrouve-moi à la Pnyx à Athènes. Les Spartiates sont peut-être devant nos murs, mais nous devons demeurer unis pour la gloire d'Athènes. Pour ta gloire ! Mes amis, je vous en prie. Ce n'est pas parce que les Spartiates sont devant nos murs que nous devons nous comporter comme eux. Belle récolte! Dommage que les Spartiates l'aient consumé sur pied! Le Parthénon est splendide, Périclès, mais à quel prix? Combien de trirèmes aurait-on pu construire à la place? Nous ne devons pas nous diviser! Nous sommes divisés! Et Sparte en profite! Agis, Périclès, ou je le ferai! Oh bien, te voilà! C'est pire que je ne l'imaginais. Cléon a la foule avec lui. Nous devons partir, vite! Où ça? Voir Périclès. Arrière! Il ne vient pas attaquer Périclès, je vous l'assure. Ah, Hérodote. Ça va, laissez-les passer. Heureux de te revoir, Périclès. Moi aussi. Et j'aurais préféré que ce soit en d'autres circonstances. Qui est-ce ? Alexios. Bienvenue, Alexios.
Dis-moi, que t'inspire ce premier aperçu d'Athènes ? Je crois que Cléon et toi, vous avez de bons arguments. Oui, mais la foule s'en moque des arguments. Elle a peur. Et Cléon joue sur cette peur. Périclès, nous sommes venus pour... Il faut choisir le bon moment. Et nous adresser à lui en privé. Très bien. Nous sommes venus pour une affaire urgente. Comme tous les autres. J'ai laissé entendre à Alexios que tu l'inviterais à ton banquet. Tu me demandes d'en exclure les Athéniens et d'y inviter un étranger ? Tu as pourtant entendu la foule. Il ne manque pas de raison de me haïr. S'il travaille pour toi, les yeux indiscrets pourront le prendre pour un serviteur. Je ne suis le serviteur de personne. Alexios, nous sommes à Athènes. Pour obtenir quelque chose, il faut parfois jouer un rôle. Et que cherches-tu à obtenir au juste ? Je cherche une femme qui représente beaucoup pour moi. D'après Hérodote, un banquet est parfait pour recueillir des informations. Il a raison. Je peux t'y faire admettre. Mais j'ignore si tu y trouveras les informations que tu cherches. Alors dis-moi ce que je dois faire. Commence par aller voir mon collègue, Métiochos. Il devait me retrouver aujourd'hui et il n'est pas homme à manquer un rendez-vous. D'accord. Et mon ami Phidias doit quitter Athènes le plus vite possible. Autre chose ? Oui, un vote portant sur un ostracisme pourrait bénéficier de ton influence. Métiochos, tu as dit qu'il était ton collègue. C'est un homme politique, un allié, et aussi un ami fidèle. Phidias, le sculpteur célèbre ? Qu'est-ce qu'il a fait ? On l'accuse de plusieurs méfaits et il doit être jugé. Tu le trouveras sous bonne garde, à son atelier. Je m'en occupe. Je compte sur ta discrétion. Formidable. Il ne t'a pas officiellement invité, mais c'est tout comme. Enfin, je pense qu'il va quand même consulter Aspasia et demander sa permission. C'est le résultat qui compte. Alexios, c'est toi ! Phoïbé ? Comme tu as dit que tu ne reviendrais pas à Kefalonia, j'ai décidé de partir, moi aussi. J'ai dit que je ne reviendrai pas, mais je ne t'ai jamais dit de partir. En tout cas, je suis là. Comment es-tu arrivé ici, Phoïbé ? J'ai gagné de l'argent en travaillant pour Marcos. Et tu as payé quelqu'un pour qu'il t'amène à Athènes ? Pas exactement. Phoïbé... Je savais que j'aurais besoin d'argent ici. Je ne pouvais pas tout dépenser. Et j'en avais assez d'attendre, alors... Je me suis glissée sur un bateau. Mais ne t'en fais pas, on ne m'a pas vue. Je n'en reviens pas que tu aies réussi. J'étais toute petite quand j'ai quitté Athènes. Mais... De temps en temps, je reconnais quelque chose. C'est agréable. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Moi non plus. C'est incroyable de nous revoir à Athènes. Cette ville est tellement différente de Kefalonia. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je dois t'aider à te préparer. Faire en sorte que tu laisses toutes tes armes et que tu portes ces vêtements. Donc, tu travailles ici ? Pour Périclès ? Non, pour Aspasia. Je ne vois pas pourquoi je devrais me changer. C'est comme ça, ici. J'ai trouvé ça étrange au début. Mais tu verras, on s'y fait très vite. Et mes armes ? Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper. Il vaut mieux ne pas effrayer ces gens. Eh bien... Comment se fait-il que tu travailles pour Aspasia ? J'ai eu quelques ennuis en arrivant à Athènes. J'étais le chef d'une petite bande d'orphelins qui a essayé de voler Aspasia. Mais on ne savait pas que c'était elle. Et tu l'as persuadée de t'embaucher ? Non, c'est elle qui me l'a demandé. Ah, quelle chance ! Je crois que je suis prêt à entrer. Tu ne peux pas. Enfin, pas comme ça.
Les Athéniens apprécient et souhaitent que les gens adoptent leurs coutumes. Mais ne t'en fais pas, j'ai une tenue pour toi. Je vais me changer. Tu promets de surveiller mes affaires ? Oui. Laisse tes armes là, dans le coin. Je repasserai quand tu seras prêt. Je ne me sens pas très à l'aise là-dedans. Maintenant, tu ressembles à tout le monde. À t'entendre, c'est une bonne chose. Bien sûr ! Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, c'est le meilleur moyen. Crois-moi. Bon, c'est tout ? Oui, tu es prêt. Ne t'en fais pas, tu as vécu des choses bien plus effrayantes. J'ai beau chercher, je n'en vois pas. Tu es sûr que je ne peux pas garder une arme sur moi ? Pas une seule. Allez, dépêche-toi d'entrer. Oh, et ne repars pas sans me dire au revoir. Kyrie, Alexios. Le puissant mercenaire et grand voyageur a enfin fait sa grande entrée. Mais un peu en retard. Hérodote, les Athéniens s'y entendent pour me faire savoir que je ne suis pas le bienvenu. C'est un soulagement de te voir. Ne te laisse pas intimider par les gens qui sont là ce soir. N'aie crainte. Périclès n'est pas un roi. Il a besoin que ses invités l'aiment afin que le peuple l'aime. Et eux aussi, à leur tour, ont besoin de Périclès. Tu es exactement comme eux. Tu crois vraiment que ces gens vont m'aider ? Ils le feront si tu parviens à gagner leur confiance. Et tu as su t'habiller pour l'occasion. Après tout, ici, le plus crucial est de paraître digne de confiance. Viens, je vais te présenter à tous ces gens. Ils n'en ont pas l'air, mais ces gens tiennent notre avenir dans leurs mains. Dans leurs mains et au bout de leur langue. Tiens, Sophocle et Euripide, par exemple. Deux des plus célèbres auteurs de théâtre du moment. Aucun esprit n'est aussi pénétrant que le leur. Ils ont l'air d'être en plein affrontement intellectuel, comme de coutume. Mais enfin, c'est un auteur de comédie ! De comédie, Euripide ! Je sais qui est Sophocle. Dans mon métier, il est utile de savoir qui sont les gens riches et connus. Hermippe, étonnamment lui aussi, a écrit son lot de comédies. Tu devrais voir plus. Ces derniers temps, sa renommée doit plus à ses phrases que qu'à ses œuvres. Mais l'homme à côté de lui, Protagoras, est un sophiste aussi digne de louange que le grand Socrate. À mes yeux, inviter Socrate est le meilleur moyen de gâcher une soirée. Je suis étonné qu'on l'ait laissé entrer. Oh, ne te laisse pas agacer par Socrate. Au moins, cette fois-ci, il n'est pas venu pieds nus. Et cette pauvre chose qui gesticule comme un singe est Trasimaque. Si tu prêtes l'oreille, tu remarqueras que Socrate et lui débattent en réalité du même sujet. Mais l'air qu'il remue le rend sourd à toute critique. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Où est Périclès ? Ah, il n'assiste jamais à ses propres réceptions. Mais tu me rappelles que j'ai une faveur à lui demander. Maudit Socrate ! Il est toujours là où je m'attends le moins à le voir. Guerrier, protège-moi de ces œillades. Alcibiade, calme-toi. L'heure n'est pas à la jalousie. Mais à l'amour. Ne prends pas exemple sur les mœurs d'Alcibiade. Contente-toi de rester poli et ne bois pas trop. Bien. Alors dis-moi, que pense un Mystios d'une fête comme celle-ci ? La soirée promet d'être longue. À une fête, on doit vomir du sang, pas de la poésie. Ces gens sont tous si convenables. Si les invités ne correspondent pas à tes goûts particuliers, tâche de te concentrer sur la raison de ta présence ici. Merci, Hérodote. Bon, si tu veux bien m'excuser, Périclès est ici quelque part et il faut que je le prévienne. S'il est seul,
Je lui rapporterai les paroles de ta sœur. Oui, il faut en parler à Périclès. Je vais rester et aller à la pêche aux indices. J'espère qu'ils sauront quelque chose sur ta mère. Moi aussi. Tiens, ça en veut encore. Tu veux voir mon imitation de Protagoras? Je l'appelle la vessie qui remue. Je suis sûr que non. Quand j'ai besoin de me détendre, je me bats. Mais avec toi... Vite! Qu'on lui apporte du vin pour qu'il dise quelque chose d'intelligent! Après ma dispute avec Sophocle, je préférerais garder les idées claires. Aristophane et toi devriez boire un peu. Si nous faisions un jeu... Une sorte de concours. Ah, merveilleuse idée! Euripide peut sembler éteint, mais il ne refuse jamais un défi. Ma foi, si tu nous apportes du vin, je ne refuserai pas de montrer à ce genou comment boivent les Argiens. À Dionysos! C'est un délice! C'est... le nectar des dieux! Allez, encore! Vous en voulez encore? Où as-tu trouvé ce vin raffiné? Ce doit être le meilleur de Périclès! Vous savez ce qu'on dit, le bon vin fait les bons amis! Prêt pour une autre coupe? C'est le meilleur banquet auquel j'assiste depuis longtemps! Tu sais quoi? Tu me plais. Qui t'a amené ici? Je suis venu seul. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a longtemps. Fui? Pourquoi? Elle a perdu 2 enfants. Elle n'a pas eu le choix. Oh, elle a fui pour soigner son cœur brisé. Fais-en une pièce, Euripide. Il paraît que des mères spartiates vont dans un sanctuaire en Argolis pour implorer la pitié d'Asclépios. Je le sais, c'est de là que je viens. Après ce qu'elle a vécu, je doute qu'elle souhaite aller voir des prêtres. Alors, elle a dû aller voir mon ami Hippocrate. C'est un médecin, le meilleur des meilleurs. Il exerce à Argos. Si elle est allée lui demander de l'aide, il ne lui aura pas refusé. J'adore boire et chanter. Si tu veux chanter, reviens me voir. Je vais y réfléchir. On s'en prend à quelqu'un. Ouvrez cette porte, ou je l'enfonce! Ne t'occupe pas d'elle. Elle aime bien regarder. Mais qui voilà? Quelle autorité et quelle détermination. Je comprends mieux l'intérêt que Périclès te porte. Tu viens te joindre à nous? Il reste une place. J'ai cru entendre des cris de douleur. Il est parfois difficile de distinguer les cris de douleur et de plaisir. Si j'avais su que tu allais frapper à ma porte, je l'aurais laissée ouverte. Grande. Ouverte. Je ne suis venu à ce banquet que pour trouver quelqu'un. Je crois que nous pourrions nous rendre service, non? Tu me rapportes un peu d'huile et je t'aide à trouver qui tu cherches. Cette personne est peut-être ici. Tes pas te ramènent toujours ici, hein? Tu as apporté l'huile. Un cadeau de Grec. Nous sommes sauvés! Aujourd'hui, ces femmes ont pleuré leur fils. Et ces hommes ont gardé les murs. On oublie tout. C'est l'heure de la fête! Alors, qu'en dis-tu? Ça t'intéresse de te joindre à nous? Maintenant, Alcie, il est temps de m'aider. Je cherche quelqu'un.
tu as de la suite dans les idées. J'adore ça. On se concentre. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a très, très longtemps. Fui Sparte ? Personne ne peut fuir Sparte. Enfin, supposons, si elle était stupide, elle est morte. Si elle était intelligente, elle a fait comme Aspasia. Elle a acheté son indépendance. Et c'est en Corinthie que j'ai rencontré les femmes les plus intelligentes et les plus habiles. Les Étaïres ? On m'a dit qu'elles jouaient un certain rôle à Corinthe. Mais je pensais que c'était le même qu'ailleurs. Oh non ! Ces femmes sont très différentes. Elles représentent une force et elles ont de la cervelle. Crois-moi. Alcide, viens nous rejoindre. Oh, et la fête continue. En arrivant à Corinthe, cherche Anthusa. Personne n'entre ni ne sort de la ville sans qu'elle soit mise au courant. Un de ces jours, beau guerrier. Anthusa à Corinthe. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Ah, voilà celui qui reconnaît l'importance suprême du savoir. Nous avons surtout reconnu que nos visions du savoir sont radicalement différentes. Tu t'en souviens, à la bonne heure. Que dirais-tu de reprendre cette conversation ? Tu as vraiment l'intention d'utiliser cette distraction pour échapper à mes critiques ? Si vous discutez depuis si longtemps sans vous mettre d'accord, changez de sujet. Nous discutions de la nature des dirigeants. C'est l'endroit rêvé pour le faire. Je vais te poser la question que j'ai soumise à Trasimaque. Admets-tu que le fait de diriger soit un art ? C'est un art, comme toutes les entreprises de valeur. Ce n'est pas un sujet à débat. Certes, mais la médecine vise à améliorer le patient, pas le médecin. La charpente améliore l'édifice, pas son bâtisseur. Mais l'art de diriger ne vise-t-il pas à améliorer davantage les dirigés que le dirigeant ? Ne sois pas absurde ! Votre discussion ne vous mènera à rien. Peut-être. Alors, comment définir l'art ? Je ne me laisserai pas entraîner dans ce débat. Très bien. Alors, réponds à ceci. L'artiste ne donne-t-il pas forme et symétrie à son sujet ? Il me semble que oui. Les lois et la justice en font autant pour les gens, n'est-ce pas ? Et existe-t-il un meilleur moyen de rendre compte de l'histoire d'un peuple que ses coutumes et ses lois ? Si c'est le cas, diriger comme rendre la justice sont des arts, comme le suggère Trasimaque. C'est pas faux. Aspasia. Ne juge pas trop durement, Socrate. C'est un des esprits les plus brillants d'Athènes, même s'il se montre souvent cinglant. Il n'est pas toujours comme ça, si ? Ah, Phoïbé, Périclès s'est déjà retiré sur le balcon, n'est-ce pas ? Personne n'est aussi doué que lui pour faire la tête. Je peux aller le chercher et Alexios peut m'aider. Tout le monde l'écoute quand il parle. Très bonne idée. Va, et Alexios te rejoindra. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Aspasia. J'ai eu beaucoup de mal à dissimuler tes actions en Mégaris. Tes espions m'ont surveillé. Je savais qu'on ne pouvait pas vous faire confiance. Nous faisons ce qu'il faut pour survivre. Il n'y a pas de honte à ça. C'est ce qui t'a amené ici. Et moi aussi. Ces vêtements te font plaisir, j'espère. Je me sentirais plus à l'aise dans ses vêtements s'il me laissait cacher une arme. On ne s'y fait jamais vraiment. Il semble que nous attirions l'attention de toute la salle sans qu'un regard soit posé sur nous.
Si tu désires parler, fais-le vite et discrètement. Je cherche une femme qui a fui Sparte avec son enfant il y a des années. J'espérais que tu pourrais m'aider. Quels indices as-tu la concernant ? Un médecin du nom d'Hippocrate qui pourrait l'avoir vue à Argos. C'est un homme bien. Si tu rencontres là-bas une femme nommée Agathe, dis-lui qu'Aspasia la salue. Et quoi d'autre ? Alcibiade m'a donné le nom d'une femme à Corinthe. Je n'en doute pas. Mon amie Anthousa est la seule que je connaisse à avoir vécu à Corinthe par des moyens licites. Enfin, le plus souvent. C'est tout ce que j'ai. Il y a une autre possibilité. Autrefois, quand j'avais besoin d'un service ou de trouver quelqu'un, je m'adressais à une personne, une sorte d'amiral. Et comment s'appelle-t-il ? Elle s'appelle Xenia. Aux dernières nouvelles, elle était à Chaos. Mais attention, si tu vas la voir, reste sur tes gardes. La vie en mer fait ressortir la cruauté des gens. Merci, Aspasia. Quand ce sera fait, reviens ici. Ensemble, nous trouverons celle que tu cherches. Rends-moi service. Va chercher Périclès, afin qu'il vienne saluer ses invités. Alexios ! Je ne t'ai pas fait appeler. Peu importe que tu aies revêtu cette tenue, Phoïbé n'aurait pas dû te laisser entrer. Phoïbé n'a rien fait de mal. C'est Aspasia qui lui a dit de me laisser entrer. Oh, naturellement. Je ne peux pas dire que la perspective de descendre bavarder m'enchante. Ma foi, tu es un invité. Si tu te joins à Hérodote et à moi, cela devrait la satisfaire, tu ne crois pas ? Tu n'as vraiment pas envie de descendre, n'est-ce pas ? Quand on passe ses journées à parler aux foules, on apprend à apprécier les moments de silence. Enfin, sauf si je viens les troubler. Phidias attendait d'être jugé, mais tu m'as demandé de lui faire quitter Athènes. Je m'attendais à ce que tu sois plus respectueux de la loi. Phidias est un ami très cher. Je ne voulais pas courir le risque qu'il soit condamné. Il existait d'autres dangers. Alors tu savais ? Je sais qu'il a ses défauts, mais le jour où tu auras un ami pour lequel tu seras prêt à tout, tu comprendras. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ostraciser Anaxagore. Socrate a dit qu'il était ton ami. Dans la mesure du possible, j'évite de mettre en danger la vie de mes proches. Alors tu l'as fait pour le protéger ? Anaxagore connaissait mes craintes. 10 ans, cela peut paraître long, mais il sera à l'abri. Pourquoi avoir envoyé Métiochos dans le quartier des pêcheurs si c'était dangereux ? Je ne lui aurais jamais fait sciemment affronter un danger. On dirait que tu as beaucoup d'amis fidèles. Mes proches comptent beaucoup à mes yeux. Ta vie est menacée. Oui, oui, c'est ce que dit Hérodote. Je n'ai pas peur de ce culte. Chaque jour, des gens bien pires en veulent à ma vie. Ah, mon vrai souci, c'est Athènes. Je crains pour son avenir. Ton vrai souci, ce ne sont pas les Spartiates, Périclès. Le culte progresse, et il apporte avec lui sa meilleure arme. Écoute-le, Périclès. Mais les Spartiates sont là. La menace de ce culte est plus floue. Je suis apparenté à l'une de ses adeptes. Et quand elle dit qu'il veut s'en prendre à toi, je la crois. Voilà un conseil qui mérite réflexion. Quoi qu'il en soit, je vais avertir mes hommes. Aspasia m'envoie vous demander ce qui vous retient. Dis à Aspasia que j'arrive. Voilà qui met un terme à cette discussion, je crois. Merci encore pour ton aide. J'espère que mes invités pourront t'aider dans ta quête. Le temps nous le dira. Tu as l'air bien fatigué. Qu'est-ce qu'ils sont bavards ! Je crois que je n'ai jamais autant parlé de ma vie. Tu vois, tu n'avais pas besoin d'une arme. Tu t'en vas ?
J'ai assez goûté à l'hospitalité athénienne pour toute une vie. Bah, tu t'y feras. C'est agréable. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite ? Il y a une femme à Corinthe à qui j'aimerais parler. Alcibiade m'a parlé de cet endroit. Il dit qu'on n'y va pas pour parler. Alcibiade dit des tas de choses. Oh, ça oui. Avant que tu partes, Aspasia m'a dit quelque chose sur Kefalonia. Je t'écoute. Elle a dit qu'il y a eu une sorte de peste. Tu ne crois pas que... Mon ami, la fièvre sanguine. Ne t'en fais pas. Quoi qu'il ait pu se passer sur Kefalonia, ce n'est pas ta faute. Je vais aller voir si cette peste existe vraiment. D'accord ? D'accord. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu ne me demandes pas de t'emmener, cette fois. Non, je suis bien ici. Et ce n'est pas Kefalonia. Je sais bien que tu vas revenir. Oui, c'est vrai. Et puis, j'aime bien travailler pour Aspasia. Elle a dit qu'elle avait une mission pour moi. Eh bien, à bientôt, Fouibé. À bientôt, Alexios.